Yes, salut à tous, c'est Rizou. Donc nous revoici ici après la petite partie galère et cachelet. Enfin un peu galère, hein. Enfin, une partie que j'aime pas du tout. Je vais s'est arrêté, je vais à Schler, on va récupérer Magnum et tous les trésors et tout. Et c'est bien, ils ont laissé la grenade que j'avais cassée tout à l'heure, enfin le pot que j'avais cassé pour récupérer la grenade. Bon, au moins ils sont cool, au moins, parce que maintenant que j'ai de la place, j'ai pu mettre. Ah oui. Hop, hop, le délire. Et on récupère tout. Je fais juste le point sur la mission. Non, sur les missions, pas la carte. Ok, j'ai un peu de soin, j'ai toujours mon lance-roquette, que faut absolument que je garde pour. Un passage. TMP, je suis mort. Ça, c'est en cas d'urgence. Parce qu'on n'a pas beaucoup de balles de Magnum. Ok, j'aurai surtout besoin de ça. Bon, c'est bien. On peut laisser notre Ashley ici. Bon. Mais bon, on sera obligé quand même de la supporter pendant un moment. Non, c'est pas aussi chiant que au début quand on l'avait. Alors. Nuit, donc. Donc il y a des petits trucs dragons avec des mecs qui les contrôlent. Ouh, dans la tête. Par contre, ça explose direct là, ici. Voilà, donc ça fait à part des trésors dès qu'on les tue. Voilà. Pour l'instant, on est tranquille avec ça. D'ici, comme ça, on est tranquille. Mais je crois qu'avec une balle de pistolet, on peut les faire tomber. C'est suffisant, mais bon, on va aller viser au pistolet ici. Faut arrêter. Alors, c'était 6, ouais, c'est ça. Alors, c'était 4 avec le petit point rouge qui bouge tout le temps en plus. Donc on va aller là-bas. Aller chercher ce qu'on a besoin de chercher. Hop. Non, si je vise mal aussi. Bon, j'aurais dû les tuer au couteau, mais... il y a lui. Chier. Voilà. Hop. On se met bien en position. Ah, faut être tout seul au couteau. Je l'utilise plus trop souvent au couteau, mais bon, d'un côté j'ai pas mal de balles, je m'en sors bien. Donc ça va encore. Ah bah voilà, on a le trésor du coin. En parlant de trésor, j'ai bientôt ramassé. Je l'avais vérifié avant, mais je revérifie. Bon, ça c'est pour plus tard. Ok. Faudra qu'on aille ici. D'accord. Bon. Avant de revenir tout là-bas, faut notre dernier morceau qui est normalement là-bas. Alors attends. Quoi? J'ai pas oublié un trésor au début. Ah, peut-être, je sais pas. De bouger ta tête. Oula, stop. Pied. Ah non, suplex. L'autre se rapproche, l'autre se rapproche. Mia, coup de pompe. Ah bah non, il se rapprochait même pas, il était encore là. Aujourd'hui, tu es couteau encore. Ah, des missions TMP, génial. Par contre. Continue au pistolet. Allez, il reste seul. Ouf. Comment il... J'ai l'impression que je l'ai pris, je l'ai jeté, mais alors que j'ai juste foutu un coup de couteau, quoi. Toi, t'es encore debout. Voilà.
Ah, en plus je touche les deux en même temps, c'est bien ça. Ah. Bah, une petite balle ça suffit. Ouais, finalement je disais que j'utilise plus beaucoup de couteaux, mais finalement je l'utilise pas mal là. Alors, il y a quand même un petit bonhomme là. Ouais. Ah, j'ai dû utiliser Suplex. C'est pas. Non! Putain. Bon, au final, j'ai pris un peu de dégâts pour le one shot au coup de pied. Allez. Depuis tout à l'heure, j'ai plus plein de fois. En fait, j'ai juste à rester appuyé. Totalement débile. Il me reste une balle de lancement pour toi là-bas. Je vais te garder pour toi, t'inquiète pas. C'est que je suis. Oh là, je suis obligé de feinter. Ah, hop. Et tant qu'il se retourne, il est mort. Voilà, maintenant ça nous ouvre le passage pour aller chercher ce fabuleux dernier morceau de ta bête. Le dernier morceau de chimère, quoi. Voilà, le lion. Voilà, l'ornement. Oui, donc j'avais pas oublié un trésor, est-ce que j'ai pris celui-là, mais l'autre coffre, j'ai oublié. Ah, c'est le coffre là-bas, j'ai oublié. Je vais peut-être un peu aller trop vite. Qui est dit de faire une connerie comme ça qui tourne? Ah bah si, je l'ai ramassé. Bah je suis con, j'avais tout ramassé en fait. Mais en fait c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors. Coucou Ashley. N'empêche, je le redis. Pour un jeu 2004, il est quand même très beau. Enfin c'est 2004 qu'il est sorti. Oui, c'est 2004. Toujours un doute sur les dates de sortie, mais non, c'est bien ça. Ah non, j'allais me dire où sont les missions TP, non, ils sont là. On va pas recharger tout de suite parce que si possible, je voudrais recharger chez le marchand, quoi. La mieux chez le marchand, ça m'arrangerait beaucoup. Comme ça. Ah, ça me fait des munitions gratos, quoi. Alors. On est ici. Ok. Bon, on y go. Ah oui, on est déroulé, du coup, c'était une porte qu'on était déjà passé à côté, qu'on n'a pas pu ouvrir. Ok. Et du coup, ici, on peut ouvrir maintenant. Oh, j'ai toujours la véhicule du géant, quoi. Je me dis à chaque jour que j'aurais dû l'utiliser. Du coup, je serais un des seuls cons à finir le jeu avec une clé en plus que j'aurais pu utiliser pour m'en débarrasser. Une petite plateforme. Ok. Alors. Ah, c'est là-bas. Il devrait y avoir quelques petits trucs là-haut. Du genre un trésor. Voilà. Samy Pestas, ça fait toujours du bien. Et une grande en plus. Et ici, c'est normalement là qu'on aperçoit le petit trésor que j'avais ramassé une fois là-bas. Qu'on a déjà, évidemment. Bon. Je crois que non, il y avait rien de plus, à part la grenade et le petit trésor. Enfin, le petit gros trésor. Mais du coup, on y go. On y go, on y go, on y go. Voilà. C'est ça quoi, monsieur, si tu vas passer au-dessus du truc, quoi. Voilà, on reprend le petit tram, ouais, enfin le petit youtube, enfin le petit chaise train roulante sur les rails. Alors. Pareil que les petits tableaux ici. Toujours fouillé, là y'a rien. Mais en théorie, toi.
Voilà. J'ai encore des bons souvenirs du jeu. Pas de chaussures à chaise, ok. Bon, bon, bon. Ok. On va faire le moins chiant. Alors ici, l'énigme, un très bien compliqué. Normalement, on lit sur le truc et tout, je vous dis, besoin de 4 chevaliers et tout, je sais pas quoi, pour ouvrir la porte, en gros. Excusez-moi. En gros, il y a les deux statues. Et du coup, il y a moi et Ashley pour appuyer sur cet acteur. Donc, rien de bien compliqué. Hop. Non. Wait. Toi. Follow me. Bien là. Voilà. Ah, du coup, quoi qu'il se passe, elle vient avec moi. Let's see if you can survive this time. Bon, normalement, on fait tout ça, mais non, ça ferme. Mais bon, comme vous avez pu remarquer, c'est tout bidon. Un petit piège inspiré de tout premier Resident Evil, sauf qu'il y a des pics en plus dans celui-là. Et bon, pour aider, il y a toujours une mission de pistolet. Au cas où, s'il y en a plus de balles, on sait jamais. Hein. Et il y a des gens qui gaspillent les balles. Alors par contre... Quoique, non, il y a des balles là-bas. Oui, parce que Ashley, elle se fait avoir toujours par les vieux pièges. Avec une broyeuse derrière le cul. Alors, munitions. Sont là. Hop. Faut que je recharge. Bon, alors maintenant. Hop. Oh, il est pas loin. Ah. Chaque fois, il y a le barreau qui me gêne pour avoir celui-là. Ouh, Ashley, dépêche-toi, Ashley. C'était ouvert! Mais non, c'est la première fois, je vous jure, c'est la première fois que je meurs à cet endroit-là. Oh putain, du coup, je m'en tape tout. Okay. Hop. Merde, hop. Et hop. Ramasse les munitions de pistolet là-bas. Et s'il te plaît, Ashley, tu vas me faire le plaisir de pas mourir ce coup-ci. Merde. Putain, le truc est ouvert, elle fait. Je vais pas avancer. Bon. Hop, on passe. Les munitions sont là. Hop. Toi, je t'ai. Ah putain de barde. Putain de merde. Viens. Ah mais oui, alors si elle attend que le truc se ouvre entièrement, se lever. Tu m'étonnes qu'elle est morte juste avant. Bon hop, on récupère le pistolet. Ah, un échec. Bon normalement celui-là, il n'y a rien d'associé en plus. À part ça aurait été des bouts d'échecs à ramasser, à passer et tout, mais non, y'a pas. Voilà. Hop, ça, c'est un Graal, c'est une sorte de clé pour avancer plus loin. Yop, on y go. Et on revient ici en fait. Voilà. Et ce coup-ci, on va là-bas. Un passage, un tout petit chouïa compliqué si on n'a pas l'équipement qu'il faut. Mais j'ai ce qu'il faut. Ah, il y a un petit document qu'on va lire. Échantillon récupéré. Vous savez peut-être que Louis Serra a été éliminé par Lord Selder. Notre échantillon est revenu à sa place. J'espère que cette affaire pourra être résolue sans l'appui du Lord. L'important est d'avoir récupéré l'échantillon. Je me réjouis de cette conclusion.
Maintenant que nous avons récupéré l'échantillon, cette femme aurait plus de mal. Oh, enfin, aura plus de mal. Aura plus de mal. Aura plus de mal à le récupérer. Si, c'est plus de mal. Quel dommage que Sarah ait dû nous quitter. Son avenir était aussi rose que la nôtre s'il y a eu foi dans nos croyances. Le Lord nous a chargé de nous débarrasser des autres Américains. Nous devons pas le décevoir. Nous avons capturé Ashley et amené au Lord. Surtout qu'ils ont essayé de la tuer juste avant. Ce qui est fou. Ce qui est con, c'est que ces événements sont passés il y a peu de temps. Du coup, ils s'écrivent un journal intime. Tout ce qui se passe. Oula, j'ai 10 minutes. Dans l'histoire. Ça va. Les esquives ici, c'est compliqué. C'est soit AB. AB, AX, soit RTLT. Alors, quand on se dit 5. En mode pro, il te faut toutes les touches inimaginables. Follow me, non, ça sert à follow me, ça sert à rien. Et. Ah, j'ai. J'ai deux grenades. Bon, alors, le mieux, ici, c'est avoir des grenades et surtout, au moins deux grenades flash. Ou trois. Alors, oula. Oh de dieu, de merde, ta. J'aurais pu lancer. Oula. Lancer ma fucking grenade. Par contre, ça va pas parce que vous êtes tous séparés. Du coup, je suis pas content. Du coup, c'est la galère. C'est la galère. Non, sur ma vie. Bon, ok, la grâce ça sert à rien. Je dis. Par contre, du coup, on va soigner. Bon, voilà, vous avez vu pourquoi il y a le flash, hein. Oh putain, j'aurais dû garder mes grenades en fait. Voilà. En fait, la grenade c'est le maïs, c'est le pompe. Le coup de pompe dans la tête, ça les calme tout de suite. Oh, il m'a fait peur, c'était mon petit. Ouh, lance-mine ça marche. Ok. Mais non, mais c'est. Putain. Je peux pas faire une attaque verticale que tout le monde. Évidemment, toi, t'es un peu en retard sur les autres, du coup. Oh putain, mais en plus, je risque une merde. Ok, j'en ai eu un, et en plus, c'est des placasses que je déteste le plus. Le truc qui te bouffe la tête d'un coup. Oula, non, c'est pas toi que je veux! Ouais, des fois ils font des coups rapides, c'est vicieux ça. Je sais pas ce qu'il a, mais il y en a un qui avait bugué. Voilà. Bon, la grenade inutile ici. Wait.
Yeah, salut tout le monde. Donc j'ai eu un petit bug pour un petit court instant, vous m'avez pas entendu sur j'ai parti à peu près des. Je pense à peu près. Oh putain merde. Serpent. Ouais. À peu près après les mecs en armure. Je sais pas pourquoi TeamSpeak où je suis allé, il y a eu un gros bug. Du coup, bah la qualité de la voix va changer parce que du coup j'enregistre directement sur Audacity du coup. Est-ce que ce serait un peu con de m'arrêter là sur l'épisode? Donc de toute façon on est bientôt à la fin de l'épisode donc ça va pas trop être dérangeant. Donc on va entendre sûrement les anciens grésillements parce que je remonte le son, il y a et tout. Parce qu'avec TeamSpeak on m'entend correctement quand même. Voilà. Alors, c'est ici, voilà, qu'il y a un trésor. Et ça, ça faut le savoir ça. Enfin, faut le savoir. Bon, il y a la carte qui t'aide un peu, et surtout la carte qui te dit qu'il y a un trésor là-bas. Voilà. Tiens, quand je disais qu'il y aura une autre lampe de papillon. Je me pose une question. On peut le casser avant? Bah ouais! Et ça veut dire que. Bah du coup, j'ai rechargé parce que je vous conseille vivement d'utiliser TMP hein, pour casser ce petit truc. C'est un peu efficace. Une petite cinquantaine environ de balles suffisant. Bon. Et là, les gars, soyez tous heureux. Bon voilà, donc là il y a plein de petits insectes que j'aime pas. Alors faut savoir que tant que ça vole, même si ça a 1 cm du sol, ça meurt non. Par contre lui il va arriver tout de suite, il va me faire mal. Ok, c'est bon. Ça valait le coup de lâcher toute une mission de TMP, parce que de toute façon je vais l'améliorer pour recharger. Ah, tiens, j'ai lance-mine, j'ai des yeux, hop. Tout ce qu'il me faut. Voilà. Bon, voilà, c'est bon, j'ai tous les ailes de chaque. Oula, il est. Disparaissez pas. C'est bon, je vais tout se récupérer avant qu'il disparaisse. Ouais, en fait, c'est une mauvaise idée. Faut le faire dès qu'on est en dessous. Alors, par contre, trésor, hop. Combiné avec ça. Et au cas où, je regarderai encore un de chaque. On sait jamais. Alors, maintenant, on actionne le pont. Et il faut casser ceci. Voilà. Ah, il y a encore un trésor. Mais en fait, non, il ne disparaît pas. Je suis con. Voilà. C'est bon. C'est bon. Bah du coup, on va... Normalement, il y a une sauvegarde juste derrière, on va pouvoir sauvegarder. Oui, il y a une sauvegarde. Welcome. On va voir d'abord le petit marchand. On va voir tout ce qu'on a. Hop, Spinel, ça nous en fait plein. Hop là, pareil pour le bébé. J'en garde 3. Enfin, il faut que je regarde... Faut que je garde au moins un de chaque. Oh putain, ça va coucher. Hop. Eh ben j'en ai de la thune, j'ai rattrapé.
mes conneries. Le truc que je voulais améliorer en priorité, c'est ceci. Hop. Il manque plus que la contenance pour améliorer à fond, ça c'est bien ça. Fusil auto, peut-être la contenance pour récupérer des balles. Puissance de feu, ce serait pas mal. Hop, non, c'est meilleur. Hop, on améliore ça. Vitesse de chargement, quand ça c'est fini. Voilà, et j'ai plus de sous-sous. Hop, et du coup, continue là-bas. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais, liker la vidéo, me rejoindre dans les réseaux sociaux. Je suis toujours dispo pour parler et tout, comme je vous l'ai dit d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Salut!